Et donc, bonjour, bonsoir, c'est Revan, et aujourd'hui on se retrouve sur Lone Sails. Lone Sails. Alors qu'on pourrait traduire, que je traduirais par lointain, Lone Sails, les navigations lointaines. On va dire l'épopée, les navigations solitaires. On va dire l'épopée solitaire. Voilà, donc bon, reprendre et tout, mais j'ai absolument pas joué. Hein, donc voilà, petite vidéo découverte. Voulez-vous commencer une nouvelle partie? Mais j'ai pas joué au jeu. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas. Bon, je vous promets, c'est vrai. Donc oui, donc vidéo découverte sur ce jeu qui vient de sortir là sur le PS Store le 2 avril. Oui. Voilà. Le 2 avril 2019. Donc voilà, ça m'avait l'air intéressant cette calmitude, on est posé, une épopée solitaire. Peut-être un let's play, je sais pas. Ça marche aussi avec la facile, d'accord, très bien. Regardez, là on voit. Regardez, il n'y a personne, c'est tout. On est juste le petit bonhomme rouge, c'est en noir et blanc. On voit une photo. Peut-être son papa, son frère. Non, on dirait plutôt son papa, son oncle. Je sais pas. Donc voilà. Mais on nous dit il faut se diriger comme ça. On peut sauter avec. Ouais, donc voilà. Oh, donc on se dirige. Et donc voilà, c'est parti pour cette aventure solitaire. Oula. Attendez. Rond. Ça sert à quoi? Bon, bah je m'en fous, je le prends. Voilà. Vas-y, prends-le. Oh, c'est ma maison! Ah d'accord, ça s'ouvre comme ça. Donc en rouge, attendez. Comment on fait pour monter? Ah d'accord, il faut monter comme ça. Attendez, j'essaye de regarder parce que en général dans ce genre de jeu où la narration elle est plus visuelle. Donc attendez, je regarde. On voit deux hommes là, ils sont très contents. Une sorte de machine. L2. Ah, c'est moi! Les jours de pluie, on des sortes d'âmes, machin et tout. D'accord, donc L2 c'est pour zoomer. Ah, bah attendez, regardez. Zoomer là. D'accord, on voit bien les. Il tient un truc par contre, je sais pas. Est-ce que c'est ma petite casquette? Là, ça c'est la machine qu'on voit. D'accord. J'aime beaucoup la musique. Hop, donc voilà. Hop. Ah, d'accord. J'ai compris. Regardez, on monte comme ça. On monte là. Hop là! Attendez, donc R2. Ah, voilà. Bah, si L2 c'est pour zoomer, R2 c'est pour dézoomer. Ça marche avec le stick? Non. Voilà. Hop! Hop! Bon, le placard qui est vraiment pas bien rangé, c'est dommage. Regardez une ferme au loin et tout. Ah, c'est ma petite maison. J'étais solitaire. Tout. Oh, je peux voler quand je tombe, d'accord, très bien. Alors on avance, d'accord, je sais pas où je vais avec ma boîte aux lettres. Regardez, oh là là. En fait, j'hésite entre me fermer ma gueule, search. Non, beach. Oh putain, j'avais ma... Entre fermer ma gueule pour vous laisser profiter de l'ambiance. Ou vous parler, parce que je sais pas trop quoi dire, hein. On découvre les mécaniques. Ah, regardez, non, attention, la mer, d'accord, très bien. Là-bas, on voit une usine, des maisons, le petit patelin. Bon. Oh non, ça tombe et tout. Oh là là. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait, l'eau. Franchement, elle est bien faite, l'eau. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre? N'est-ce pas? Donc voilà, peut-être à let's play, je sais pas. D'accord, bon, on sait pas tout ce que c'est. Là, il y a la brume qui vient de tomber, d'accord, très bien. Ça fait un peu peur. Bon, je sais qu'il n'y a pas de zombies. Voilà, c'était marqué une aventure sans zombies. Et voilà notre véhicule. Très bien. Ouh là là! Ouh là là! Steam Energy Speed. Ouh là, attends. Là, je monte. Ouh là là! Attends, là, je suis monté un peu trop, là! Attendez, on va redescendre. Aïe! Voilà, là. Qu'est-ce que. Alors là, c'est ma chambre. Voilà. On ne touche pas à ma chambre. Voilà, d'accord. D'accord, très bien.
Bon bah écoutez, je vais poser ça là. Voilà, ce sera ma... Très bien. Alors attendez, Steam. Je vois. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Speed. D'accord, attendez. Oui, d'accord. Bah attendez, on va monter, on va voir. Ah, donc il faut sauter, d'accord. Et appuyer sur rond pour prendre le truc. D'accord, donc si je fais là, hop. Ah, ça remplit en énergie! Bon bah écoutez, hop, ça sera notre petit carburant. Très bien. Attendez, je vais remonter dans ma chambre du coup. Voilà, hop là! Hop, donc on va mettre ça. Oh, ma lampe! Ma lupiote! Oh, il est trop mignon. Alors, ma lupiote. Non, pas trop sur le lit. Aïe! Voilà, on va la mettre là. Ma boîte aux lettres, parce que j'y suis attaché quand même, faut pas déconner. Voilà, je la mets là. Alors, on voit 000, il y a une sorte de code là. D'accord, très bien. L'énergie, Steam. Qu'est-ce que c'est Steam? Steam, fais voir. D'accord, bon, je sais pas ce que c'est. Voilà, et ça c'est quoi? Ah, c'est le frein! D'accord, allez, mais c'est pas grave, on avance. Non, on avance, j'ai dit on avance, on avance. Voilà. Voilà, et hop, c'est parti pour notre voyage. Oh, la musique! Oh, la musique! Là, c'est trop bien! J'ai toujours accès à mon niveau d'énergie. Allez. On avance, bah, très bien. Là, je suis toujours en train d'appuyer, hein, vous voyez pas. Oula, là. Faut faire un gaffe à la vapeur! Ah, mais c'est génial! Alors, attention. Ah, c'est le nombre de kilomètres! D'accord! Ou de mètres plutôt. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, d'accord, donc on va diriger notre véhicule. Mais c'est sympa! Sympathique comme tout ce jeu! Allez, ouais, bah allez, on avance! On continue notre périple, hein! D'accord, en fait, avec juste. Putain, mais c'est génial! Juste en appuyant sur des boutons, c'est nous qui faisons fonctionner notre propre machine et tout. Alors, je vois qu'on peut rentrer à l'avant. Attendez, attendez. Attendez, on va s'arrêter. Ouh là là! Vite, la vapeur! Hop là, on s'arrête là. Attendez, je vais regarder un truc. Mais ça, c'est un truc pour remorquer. Oh, mais c'est génial. Je vais conduire mon petit véhicule. Enfin, mon gros véhicule plutôt. Oh, mais c'est génial. Oh, putain. Putain, c'est génial. Bah oui, je savais à quoi m'attendre. Mais je veux dire, le faire en vrai, putain, mais c'est... Et la musique qui repart. Oh, putain, mais c'est... Ah, bah, c'est trop bien fait. Quand je m'arrête, la musique, elle s'arrête. Et quand je repars, la musique, elle repart. C'est trop bien. Attention, la vapeur. Je vous laisse profiter un peu du voyage. Voyage, voyage! Alors, est-ce que le fait de désactiver la vapeur, ça fait rouler plus vite? J'ai plus d'énergie, hein. Bon. Naha! Yep là! Attendez. Hop, on va prendre l'énergie. Voilà. Hop, oh, ça s'ouvre automatiquement. C'est super sympa. Donc attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Voilà, ici. Tant pis, je sais, c'est un peu long. Mais bon, il faut que j'aille chercher mon carburant. Voilà, nanana. Hop, hop, mon petit voyage, il s'annonce bien, hein, voilà. Oh, regardez comme c'est mignon à l'avant du véhicule, on c'est trop mignon. Hop, donc on continue, hein, c'est pas grave. Voilà, ça, ce sera ma réserve. Voilà, hop. Putain, mais... Oh là là. Ah, je trouve ça tellement génial. Attends, tu fais voir. Hein, ça, c'est pour remorquer. Mais oui. Mais... Ah, je peux le pousser. Ah, je peux le tirer! Ah, c'est génial!
C'est génial. Ah putain. Attends. Attends. Voilà, on va pas trop vite. Voilà, hop là. Voilà, alors on pose ça là. Voilà, on va chercher les autres. Rien à foutre. Voilà, c'est un peu long pour vous, hein. Vous voulez voir la suite. Mais tant pis. Voilà, hop là. Attends. C'est rond, hein. Voilà, j'ai failli oublier. Voilà. Je pars tout seul. Voilà. Je pense qu'à mon avis, l'histoire, c'est le petit garçon. Ou la petite fille, je sais pas. Ouais, mais attends, comment on pourrait dire. Ce petit bonhomme. Ouais, mais non. Ce petit personnage. Que je vais appeler Billy. Non, je rigole. Voilà, ce petit perso qui part à la recherche d'un membre de sa famille, hein, comme on avait vu, voilà. Allez. Voilà, c'est parti. Oh putain, oui, c'est vrai, je peux pas sauter comme ça. Hop là, attendez, oulala. Allez, on est reparti. Là, je vous laisse profiter comme ça. Mon épopée avance bien. Ça va. Ah bah, je suis content, écoute, on va voir... On part à la recherche dans ce monde qui a l'air dévasté, hein. Regardez-moi ça. Ça avait l'air d'être un océan ici, mais il n'y a plus d'eau. Je vous laisse profiter de la musique. Ah oui. Voilà, on n'oublie pas la vapeur, parce que moi je vous laisse profiter du décor, mais... Hein ? Ah ! Attends, Billy, attends. Oh putain. Ah, putain, j'avais pas vu, regardez, en fait, c'est le frein, mais c'est le frein du bas, là, on le voit en dessous de l'ascenseur. Voilà, hop. Pas grave, hein, moi je prends toujours du carburant. Voilà, faut pas faire, en plus, avec la hausse de la consommation, n'est-ce pas ? Oh putain, oui, j'étais presque à court, dis donc. Hop, voilà. Très bien, désolé, hein, mais voilà, il faut faire le plein parfois. Hein. Voilà, c'est pas possible tout ça. Hop, voilà. Heureusement qu'on trouve du carburant sur le chemin. Hein. Vous imaginez, ce serait sympa ça. Vous prenez votre voiture et tout. Et sur le chemin, voilà, vous avez plus d'essence, vous trouvez des bidons d'essence, comme ça, posés sur la route, abandonnés. Ça, ce serait génial. Enfin, je dis de l'essence, mais je sais même pas ce que c'est, en fait. Attends, on va zoomer. J'arrive pas à voir ce que... Si vous arrivez à voir ce qui est marqué, n'hésitez pas à me le dire. Donc, voilà, oui. On va prendre des trucs, puis tu vois, tu coupes ça, puis voilà. Quoique, attends. Voilà. Ça fait une petite réserve en plus. Attendez, je vois un truc là-haut. Oh, putain. Attendez. Je vais chercher mon carburant, et puis voilà. Hein, possible ça. Hop. Voilà, dans ma chambre. Oh non, je suis monté trop haut. Attends. Mal. Hop. Attends, y'a pas un crochet là? Yeah. Non, ça on va le laisser ici. Et ça, deux ça suffit, hein. Bon, voilà, au-dessus de mon lit, j'aurai une caisse d'essence. Voilà, on sait jamais. Voilà. Ah oui, attendez, je voulais aller voir là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regardez, Le jeu, il est trop mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Oh non! Ah, mais c'est énorme! J'ai lancé incendie! Ça veut dire que je peux prendre feu à l'intérieur! Oh là 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 là. C'est trop génial. Oh putain. Oh là là. Ah oui, bah attendez, je suis bête. Allez, on met un peu de carburant. Et on est reparti. En voiture Simone. En voiture Simone. C'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Oula, du calme. Oulala. Oh putain, attends, qu'est-ce qui se passe là à l'arrière? Non, c'est bon, c'est juste le moteur. Putain, j'ai commencé à avoir peur. Depuis que j'ai vu la lance à incendie, là, je m'imagine des trucs. Allez, pas grave, on continue, hein. Voilà, parce que c'est pas compliqué. Hein, n'est-ce pas? Hop là. Alors, je sais pas si c'est... Oula là.
Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va pas se faire chier. Non, 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 stop, 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 stop! Voilà, putain, heureusement que j'ai bien mis le frein. Voilà. Tous les bidons d'essence, on va prendre tous les bidons d'essence et puis c'est tout. Hein, voilà. Hein, on va pas se faire chier. Bon. Voilà. Bon, attendez, je vais mettre ça. C'est pas des bidons d'essence du coup. Ah, mais du coup, attends. J'ai peur de faire griller la machinerie. Donc, hop. Voilà, hein, moi, voilà, je dois tout m'occuper de tout. Ah, parce que m'énerve. Il m'énerve. Allez. Ah, oh, putain. Ah non! Ah non! Ah non, non! Non! Reviens! Attends! Attends! Recule pas! Oh putain! Ah mais quel con! Oh là! Ah putain! Le frère, voilà, il punaise, c'est punaise de. Allez! On réjecte un peu d'essence. Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! J'ai peur d'être un peu en sous-régime. Oh, allez! Vas-y, Billy! Allez, mon petit Billy, tu peux y arriver! Oula, qu'est-ce que c'est ça? Hop là! Oula, là, ça fait des bulles! Ça fait des. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des bulles! C'est bizarre, ça faisait ça avant? Je vais pas remarquer. Voilà, allez! Qu'est-ce qui fait du bruit comme ça? Ouh là là! Ouh là là! Attends, Roger, te casse pas en deux! Ouh là là! Fais gaffe, fais attention! Il faut pas qu'on se casse en deux! Bon, alors le texte il est en français, c'est bien! Enfin, énergie, speed, steam, ça ils l'ont pas compte, ils l'ont pas traduit! Attention, attention, on va se mettre sur le frein! Ouh là là! 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 Non, c'est bon, tout va bien! Je gère! Je gère! Oh, le petit bateau! Ah! Aïe! Je vois pas ce que à quoi ça sert en fait des trucs. Oulala! Oulala! Calme-toi! Calme-toi! Attends! On va te remettre un peu de carburant, je sais que t'as soif, mon petit. On va prendre du ça. On va prendre du ça. On va voir si ça marche. Bah, il faut tester, il faut tester. Moi je connais pas ce véhicule, hein, n'est-ce pas? Mais ça remplit direct. D'accord, ok, très bien. Alors, donc on va avancer, c'est pas grave. Allez! Hein, ça fait quoi? Surtout ne n'écrasez aucune caisse, hein, ça va servir pour notre voyage, n'est-ce pas? Allez hop, hop. Bon. Voilà, allez, on va monter. Voilà. Ça, ce sera notre réserve de carburant. Voilà. Hop. On est bon, eh ben, on est bon. Allez, on repart. Ah, là, 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 là. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'en profite hein, parce qu'il faut que je fasse attention à la machinerie, n'est-ce pas? Voilà. Vous croyez que c'est des mètres ou des kilomètres? En plus, j'aime bien le bruitage, il est vachement bien fait, quoi. Ça donne vraiment une sensation de réalisme, j'allais dire. Ah oui, attendez, on va accélérer quand même. Allez! Et bien, donc là, on va dire qu'on est arrivé au port. Parce qu'il ressemblait à un porc. Cette machine elle est bizarre quoi. Parce qu'à première vue, tu sais quoi? Regardez comme ça, moi ça me ferait plus penser à un bateau plus qu'un véhicule roulant. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain, Roger! Ouh là 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 là! Calme-toi, calme-toi. Ah! Ouh là, attendez, attendez, il faut que je monte. Oh putain! Putain, mais attendez, là. Oh putain, attendez, je me suis mal garé. Il passe. Attends.
Alors on voit des maîtres, des machins. Allez, on avance. Allez, bibiche! Allez, petite bibiche! Voilà. Allez. Voilà. Hop. Attendez, on va avancer. Bon, attendez. Hop. Parce que là, je suis un peu mal garé, n'est-ce pas? Putain, je vois rien. Ah, là, par contre, c'est un peu chiant. Attends. On va monter. Ah, zut. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris? Première énigme du jeu! Alors, attendez. Ah d'accord, en bougeant ça fait tomber le truc là-haut. Et maintenant je peux monter. D'accord. Allez, bon bah voyons. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Oh c'est quoi ça? Un souvenir? Voilà, c'est un souvenir. Bon, alors attendez. Du coup, alors attendez, c'est bien que je monte là, mais à quoi ça va me servir? Ah, putain, j'avais pas vu. Ah ouais, mais d'accord, mais oh là là, j'avais pas vu qu'on pouvait rentrer, donc faudra faire attention. Non, attendez, on va voir. Une sorte de grosse grue, d'accord, très bien. Hop, pour les bateaux, hop. D'accord, 7 sails. Je viens d'obtenir un trophée. Très bien. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, on va voir. C'est une voile. Hop. Ah, la musique, elle est étrange là. Elle fait plus paniquer qu'autre chose. Donc, on peut avancer comme ça. Bon, par contre, elles sont un peu trouées les voiles. Hein. Je sais pas comment ça fait pour avancer. On sent une économie du carburant. D'accord, mais faut rester appuyé. Alors, on va faire attention. Regardez s'il n'y a pas de carburant sur la route. Et là, on dépasse le fameux port. Oh, la musique! Et vous savez quoi? C'est sur ça que je vais vous laisser. On a eu le checkpoint, tout ça. Vous avez vu un peu une petite aperçu du gameplay. Après, à savoir, est-ce qu'on va avoir d'autres améliorations? Je sais pas, je le pense pas. Alors, si vous voyez, je sais pas si je vais en faire un let's play ou découverte, on verra bien. De toute façon, vous verrez bien ça dans les prochains jours. Hein. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié ce que vous avez. Si vous appréciez mon travail en direct, ce que vous venez de voir. Donc voilà, merci d'avoir regardé, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!